bonjour. Bonjour. C'est justement comme ça que vous commencez votre message. Nous attirons ce que nous voulons à partir du moment où quoi, Nathalie? Ben, je pense qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut et qu'on respecte ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on met en pratique dans notre vie de tous les jours ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, et quand on arrive, je sais que c'est pas ça, mais à se comprendre, à savoir ce qu'on est, il y a comme quelque chose qui se met en place. Donc et finalement, ce qui on peut aussi finalement attirer ce qu'on veut en plus. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit aussi, en plus d'attirer ce qu'on est. Ce qu'on est, sans qu'on est, ouais. À partir C'est du un tout, moment quoi. où on, voilà, c'est un tout, c'est à partir du moment où on se respecte, dites-vous, Nathalie. On Oui, sait oui. qui on est et on respecte cette personne qu'on est. Voilà. Maintenant, c'est en théorie, ça. Maintenant, je suis convaincue de ça, mais je suis toujours à la recherche de ça. Oui, ben, comme tout le monde, hein, Nathalie. Voilà, il y a la théorie, il y a ce qu'on est, il y a ce qu'on croit, il y a ce qu'on veut croire, et il y a ça. Karine. Mais tout à fait, c'est-à-dire que comme madame parle de respect, donc le respect, il faut savoir que ce sont des fréquences, des vibrations hautes énergétiquement. Là, je rappelle rapidement la joie, le bonheur, le respect, l'amour, le rire, etc. Fréquence basse, vibration basse, c'est la peur, l'inquiétude, le stress, la trahison, etc. Donc, quand on est dans des vibrations hautes, eh bien, on s'approche, on réalise nos rêves les plus fous. Quand on est dans les vibrations basses, eh bien, on s'éloigne de ce qu'on veut être, de nos souhaits, de nos objectifs. Donc, quand on est tout amour, on va dire ça comme ça, on met l'amour dans le sens le plus large du terme, donc par rapport aux personnes, à l'environnement, etc., eh bien, c'est déjà une carte qui nous permet d'arriver un pas vers la réalisation de nos désirs les plus chers, et que c'est possible, oui. La pensée positive, nous dit Jacqueline sur la page Facebook, c'était ma force, Sylvie. Mais pour le moment, je suis dans une période si sombre que je ne parviens plus à la voir. Je voudrais tellement que l'on m'aide à la retrouver. Donc voilà, message important, Jacqueline, que vous nous envoyez là et que je vous lis, Karine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, moi j'étais dans naturel positif, j'étais dans la pensée positive, et puis patatras, il y a eu un truc, j'arrive plus à la retrouver. » Où est-ce qu'elle est, cette pensée positive? De toute façon, la pensée positive, quelque part, elle est dans notre cœur, mais elle est peut-être bien enfouie. C'est-à-dire que c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est vrai que nous avons des mamans très difficiles, et qui nous, forcément, nous déstabilisent et nous perd la foi. C'est-à-dire que la pensée positive, c'est aussi une question de foi et de confiance. Donc, il faut simplement se rajuster en se disant, ben voilà, aujourd'hui, indépendamment du burn-out, indépendamment de que mon mari m'a trompé, que ci, que là, eh bien, aujourd'hui, je commence, je pose le pied, c'est-à-dire que je vais ressentir, je vais visualiser ce que je veux vivre. Et ça commence petit à petit. C'est pas la peine de regarder la montagne qui nous semble insurmontable. C'est de tous les jours se dire, voilà, ok, il y a ça dans ma vie, j'en prends conscience. Cependant, je vais prendre plus de temps à visualiser, à rêver, à contempler ce que je vais vivre. Donc si c'est la maladie, c'est la santé. Si c'est la solitude, c'est peut-être trouver l'âme sœur. Si c'est la CPS et le chômage, c'est visualiser, se ressentir, c'est déjà voir signer un contrat, c'est déjà voir l'argent qui rentre, etc. Donc, ne pas se centrer sur les manques. Bien, très bien. Visualisation, c'est un mot qui, à mon avis, vous allez encore ressortir pas mal de fois. Mais c'est bien, parce que c'est un exercice pratique. Je veux dire, si c'est le premier exercice à mettre en pratique, me semble abordable. Je vais donner tout à fait deux exemples, ou deux, trois. C'est-à-dire, les frères White n'ont pas contemplé la possibilité de demeurer au sol, tout comme Alexander Graham n'a pas eu la possibilité de communiquer. Tom Edison, il n'a pas pensé à l'obscurité. Donc, ils ont contemplé, avant de matérialiser ce qu'ils ont découvert, ils ont contemplé, ils se sont donné des vibrations, la passion, l'amour, etc. Et c'est vrai qu'il faut parfois la persévérance, tout comme un chemin dans un bois, on trace un chemin, il y a des répétitions, mais c'est tout fur et à mesure, commencer, réaliser, contempler ce qu'on veut voir vivre dans notre vie. 07.